troisième épreuve. Alors qu'on s'agite dans le troisième couloir avec Keep Walking. Voilà, c'est parti pour cette troisième épreuve avec Liam, pour l'instant sollicité, Destiny's Tale également, qui montre du pas côté corde. Destiny's Tale qui condamne Liam à son extérieur. Keep Walking reste dans le sillage des meneurs. Ensuite, on retrouve War Academy, Winter Sky, Days of Yore, Make My Grey, Read Your Heart, qui ferme le cortège. Les chevaux passent au tombeau malarctique. Destiny's Tale contrôle les opérations devant Liam, qui suit en deuxième position. Winter Sky est troisième. En quatrième position, Keep Walking. Ensuite, il y a Days of Yore, tout juste devant lui, War Academy. Ensuite, Make My Grey et Read My Heart. Bientôt plus que 600 mètres à parcourir alors que les chevaux se dirigent vers la rue du gouvernement. Destiny's Tale a toujours le meilleur devant Liam qui court en deuxième position. Winter Sky est troisième et côté corde. Ensuite, on retrouve Keep Walking, War Academy. On commence quelque peu la descente avec Read My Heart qui évolue à l'extérieur de Make My Grey qui ferme le cortège. Alors que les chevaux vont aborder la courbe pour entrer en ligne droite finale avec Destiny's Tale qui va être accroché maintenant par Liam qui est lancé par Benedict Woodworth. Winter Sky également fait une belle impression à l'extérieur. Liam a toujours l'avantage devant Winter Sky qui termine de plus en plus fort à l'extérieur. Liam, Winter Sky a mis le devant. Winter Sky va aller s'imposer dans cette troisième épreuve devant Days of Yore et Keep Walking.